Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue au débrief de l'actu, première édition de cette semaine, en ce début du mois de novembre. Et ce soir, nous débriefons sur une actualité qui a fait des choux gras la semaine dernière et même ce week-end, effectivement, le phénomène de délinquance urbaine qui prend des proportions inquiétantes dans la ville de Douala et l'arrondissement de Douala deuxième qui en a fait les frais il y a quelques jours seulement. Une violence inouïe effectivement observée dans cet arrondissement, à l'origine un affrontement entre une jeune fille, dit-on, un affrontement entre deux garçons au sujet d'une jeune fille. Nous allons un tout petit peu débriefer autour de cette actualité en recherchant les causes de cette violence, cette délinquance urbaine observée dans la métropole économique du Cameroun depuis de nombreuses années et surtout ce dernier phénomène qui a eu lieu dans l'arrondissement de Douala deuxième avec des extensions dans d'autres arrondissements comme Douala premier. Nous aurons l'occasion bien sûr d'écouter le gouverneur de la région du littoral, le préfet du département du Vouri et même un jeune du quartier Nouvelle qui revient sur les faits. Que s'est-il exactement passé à Douala deuxième, le gouverneur qui a donc frappé le poing sur la table pour mettre un terme à ce phénomène, conséquence effectivement des commerces, quelques-uns qui ont été pillés dans cet arrondissement de Douala deuxième. Bienvenue au débrief de l'actu. Et tout de suite, place à nos invités qui sont déjà en plateau. Je commence par ma gauche avec Salomon Béas. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Michael, bonsoir au maire de Douala deuxième. Bonsoir à la représentante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et bonsoir à Roger Jacques Dobel, consultant de notre plateau. Effectivement, c'est un honneur pour moi d'être sur votre plateau et je pense que le temps que nous passerons ensemble pourra être utile pour ceux qui nous regardent et ils pourront bien, n'est-ce pas, retenir de bonnes choses sur le décryptage que nous pouvons faire du sujet dont vous mettez à l'ordre du jour. Merci, merci d'être venu. Vous avez pratiquement présenté les autres panélistes. Et oui, justement, juste à côté de vous, le maire de Douala deuxième, il est maire adjoint dans l'arrondissement de Douala deuxième, Jean-Robert Wafo. Par ailleurs, ministre du Shadow Cabinet, ministre chargé de l'information et des médias au Shadow Cabinet du Social Démocratie Front. Bonsoir, monsieur le maire, bienvenue. Bonsoir. À côté de moi, Jacques Dobel, je l'ai dit tout à l'heure, il est consultant de notre plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Mike. Et pour on termine avec le professeur Koyok. Bonsoir et bienvenue. Vous représentez le RDPC sur ce plateau, mais vous êtes sociologue et on convoquera bien sûr votre casquette de sociologue pour tenter de comprendre ce phénomène de délinquance urbaine. Vous êtes chef de département de sociologie à l'Université de Douala. Bonsoir et bienvenue. C'est ça. Bonsoir, merci Michael. Alors, merci. Alors, notre décor est donc planté et on va ouvrir, si la réalisation nous permet, justement avec cet extrait du préfet du département du Vouri. C'était donc hier lors d'une réunion tenue au cercle municipal de Douala deuxième, le préfet, le gouverneur et bien d'autres autorités de la ville de Douala qui sont revenus sur ce phénomène. Le préfet qui nous donne justement les raisons. Qu'est-ce qui s'est passé à l'origine? Voici les raisons avec le préfet du département du Vouri. Juste derrière, on ouvre le débrief sur cette actualité. We'll be right back.
Et comme vous l'avez dit, je suis descendu deux fois ici à Newman. Et la première information que j'ai reçue, c'est celle-là que venait de relater le jeune là, qui a parlé en troisième position. À savoir que tout serait parti d'une dispute autour d'une fille qui vit, je crois, dans le quartier Bonchois et qui, en fait, entretient deux jeunes. Des libertés, vous comprenez? Alors, le jeune qui certainement vit au quartier à Oussa serait allé là-bas pour rencontrer sa copine. Elle a trouvé donc avec quelqu'un d'autre. Paraît-il, il a demandé à la fille de venir l'autre. C'est ce qui a déclenché dans la bagarre. Et vous convenez avec moi que, bon, le jeune qui venait du quartier à Oussa se sentant certainement frustré a dû venir faire le compte rendu à ses amis. Naturellement, se disent, bon, c'est la défiance en ce moment-là que ça ne peut pas se passer comme ça. On a souvent vu ça partout. C'est-à-dire que des jeunes qui se défient et puis ça finit là. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que quelque chose ayant entraîné une chevrée au niveau de deux quartiers, que les gens partent encore à quoi? Qui est dans un arrondissement autre que Douala deuxième. J'ai donc fini par conclure qu'il s'agit de la délinquance urbaine. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit étincelle, ceux-là qui ne vivent que du vandalisme ou alors de la délinquance en profit pour donc vouloir semer le chaos. Et je dois dire que les 300 jeunes qui se sont retrouvés à quoi, il n'y a pas que les gens d'un seul coin. Parce que je ne suis pas sûr que en quelque temps, ils ont pu sélectionner seulement les gens de même tribu pour aller là-bas. Et là, donc, le préfet Benjamin Boutou, le préfet du département du Voury, vous l'avez écouté, il expose les faits. Et on va donner la parole à Jean-Robert Wafo. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes maire à l'arrondissement de Douala 2e. Maire adjoint, naturellement, dans l'arrondissement de Douala 2e. La précision vaut la peine. Vous avez suivi ces événements de bout en bout. Cette version que donne le préfet a été un tout petit peu contestée par certaines personnes. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes dans l'arrondissement, vous vivez les choses de l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ce jour-là? Ben, moi, il m'est revenu que c'est une jeune fille qui a un copain, n'est-ce pas, au niveau du quartier Oussa. Quand elle s'est séparée de son copain, elle est rentrée du côté donc de Gonsois, et puis elle a été agressée là-bas. C'est alors qu'elle a fait signe à son copain. Et son copain a donc mobilisé ses proches. Et c'est ainsi que... Donc ils sont rentrés donc du côté de Gonsois. C'est ainsi que les rixes ont commencé. Donc voilà, bon, ben maintenant, le préfet a sa version. Manifestement... Les deux versions se recoupent de toute façon. Manifestement, parce qu'il en charge également... les renseignements généraux, je suppose qu'il a la vraie version. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, bon, rien, je dis absolument rien, ne justifie ce qui s'est passé. Je dis bien rien ne justifie. Je suis de Douala 2e, je suis né à Douala 2e, parce que nous n'avons pratiquement pas connu des rixes pareils, des rixes d'une aussi forte amplitude. Parce que voyez-vous, par le passé, nous avons connu en dehors, n'est-ce pas, de l'événement malheureux qui a précédé, n'est-ce pas, celui-ci, à savoir les rixes entre les populations du quartier Makia, qui étaient opposées aux populations du quartier Shell Nouvelle. Et bien avant, on n'a pas connu cela. Et puis, ça pose un problème parce qu'on se demande comment en est-on arrivé là. Tout à fait. Je reviens à vous tout à l'heure, monsieur le maire. Ça pose un problème justement, professeur Koyok, et le préfet l'a dit tout à l'heure, de délinquance urbaine. Comment on définit la délinquance urbaine, effectivement? Merci de me donner la parole. Bon, par délinquance urbaine, nous allons d'abord prendre globalement pour parler de la sociologie de la violence. Parce que par violence urbaine, nous entendons ces agressions, ces tensions collectives
des tensions qui peuvent être physiques ou alors morales dans une ville. En général, il est difficile, lorsqu'on n'a pas les outils d'analyse adéquats, de parler à chaud de ce genre de problème. Mais nous pouvons d'emblée dire que généralement, ce genre de tension se retrouve dans des quartiers populaires. Et en dehors du fait qu'il y a eu un problème de filles et de garçons, généralement, les jeunes, lorsqu'ils sont oisifs, lorsqu'ils n'ont pas d'emploi décent, lorsque ils pensent que la société est responsable de leur marginalisation ou de leur humiliation ou de quelque chose, réagissent par des actes de violence. Mais lorsque nous regardons tout ce qui s'est passé et prenant en compte le contexte socio-politique qui peut permettre de voir derrière ce type d'action, d'activité, un certain langage qui passe généralement, j'ai dit, la banalisation de la violence dans les médias. Et généralement, les jeunes s'approprient ce genre de langage et puis il y a derrière une rumeur qui enflamme. Parce que je suis dans le quartier Nubel, mais c'était qu'un jeune homme, on a égorgé une dame avec son bébé. Et moi, j'ai vu passer des jeunes gens avec des machettes et des gourdins. Et quelqu'un était de l'autre côté, il disait, tout le monde, fermez vos portes. Mais on disait, il y avait une rumeur qui attisait ce feu. Donc, moi, je me dis, ce problème-là qu'on retrouve, il y a Norbert Elias, par exemple, qui dit, lorsque les valeurs sociales sont mises en mal, on retrouve dans ce genre d'action qui ne s'explique pas. Ça commence par un événement banal, mais ça s'explique par d'autres facteurs qui sont sous-jacents, dont nous pouvons penser que vraiment la raison pour laquelle ces émeutes ont eu lieu doivent être recherchées autrement que par l'élément qui a été indiqué tout à l'heure. Nous tenterons justement de parler de ces autres facteurs-là tout à l'heure. Et d'ailleurs, le gouverneur de la région littorale reviendra sur ces questions-là. Et vous l'avez dit tout à l'heure, professeur Koyok, ce genre d'événements se retrouve parfois dans des quartiers populaires. Vous l'avez dit. Salomon Béa se pose la question, qu'est-ce qui peut justement justifier le fait que l'on retrouve de plus en plus ce type d'événements, ce type de tensions dans la ville de Douala? Pas pour dire que nous sommes dans un terreau de guerre, mais que ce type d'événements, ce type de tensions qu'on observe, pas plus tard que la semaine dernière, on en a observé dans un autre quartier de la ville de Douala, c'était un arrondissement de Douala 5e, et donc, il y a quelques jours, on en a encore vu à Douala 2e. Qu'est-ce qui peut expliquer justement que la ville de Douala, peut-être des éléments pour comprendre ce qui peut justifier la recrudescence de ce phénomène dans la métropole économique du Cameroun? Michael, vraiment, nous vivons une période assez compliquée dans notre pays. Permettez-moi, 4 novembre 2019, ça fait pratiquement 37 ans que le premier président de la République du Cameroun, je vais le nommer le président Aïdjo, démissionnaire, en laissant, je vous laisse un Cameroun riche et prospère. Il a laissé un Cameroun riche et prospère avec des entreprises, avec des industries, avec une répartition des richesses pour du moins acceptable, parce que ceux qui ont vécu à cette époque nous disent les fonctionnaires étaient bien traités, les hommes d'affaires faisaient bien les affaires. La preuve en est, nos parents ont réalisé de très grandes choses à cette époque-là. Et le professeur Koyok a si bien retracé, elle a parlé de la pauvreté, elle a parlé de la crise des valeurs. Moi, c'est ce qui m'intéresse en fait. Comment pouvons-nous expliquer qu'après 37 ans où le Cameroun était traité comme un exemple dans le monde, un exemple en Afrique, parce que je me rappelle, mon père me dit toujours,
tous les pays d'Afrique prenaient pour référence au Cameroun, même au niveau de l'Europe. Comment on peut donc expliquer que, en 37 ans de gouvernance, on puisse avoir perdu toutes les valeurs là qui rendaient notre société crédible à l'échelle nationale et à l'échelle internationale? Je pense que les stigmates de ce que je peux appeler comme explication ne peut que se trouver dans un seul détail, et je pense que c'est le détail le plus évident, c'est la malgouvernance. La malgouvernance qui a créé une pauvreté extrême, la malgouvernance qui a entraîné la privatisation de toutes nos entreprises publiques, la malgouvernance qui a entraîné la diminution du salaire de fonctionnaires en trois, le mettant dans un état de mendicité, dans une incapacité criante d'assurer aux besoins primaires de leurs enfants, exposant ainsi la société à la création, n'est-ce pas, de ce que je pourrais appeler des jeunes qui ne sont pas bien éduqués, socialement intégrés, et qui sont, je voudrais dire, exposés à plusieurs dérives comme celles que nous vivons aujourd'hui. En réalité, moi, quand j'étais à l'école primaire, on me disait « le travail éloigne de l'homme trois grands mots, le vice, l'ennui et le besoin ». Vous pouvez donc comprendre qu'un gars qui est pauvre, qui ne peut pas aller à l'école, qui n'a pas une structure éducationnelle assez pointue, qui ne comprend pas les valeurs de la société, qui n'a pour modèle que le détourneur de fonds publics, le grand bandit, et ceux-là qui se pavanent partout en démontrant en fait que c'est quand on a des moyens qu'on peut être respecté, parce que les valeurs en elles-mêmes n'ont plus de place, alors on se retrouve dans une société comme celle que nous vivons aujourd'hui avec les dirigeants que nous avons. Et je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas un fait isolé, bien que ça peut paraître isolé. Je voudrais rentrer le 14 octobre au niveau de Saint-Mélima. On n'était pas, s'il vous plaît. On reparlera peut-être. On n'était pas trop loin. Oui, on reparlera peut-être de Saint-Mélima, même si les faits ne sont pas les mêmes. Je vais interroger Jean-Baptiste Bafour. Sur la question, je suggère que nous restions vraiment dans le segment de Douala deuxième. Nous ne nous éloignons pas beaucoup du sujet de la question. Monsieur le maire, le professeur Koyok tout à l'heure a parlé de ce problème d'emploi, du chômage des jeunes dans notre pays. Elle a évoqué le contexte sociopolitique. Vous pensez que ces deux faits, à eux, peuvent justifier ce qu'on a vécu à Nouvelle et à Monsoy il y a quelques jours? Oui, il faut mettre tout ça ensemble. J'ai écouté le préfet là tout à l'heure. Sur votre chaîne également, j'ai écouté le gouverneur de la région du littoral. On va d'ailleurs l'écouter encore tout à l'heure. J'ai écouté, oui, tout à fait. Bon, ils ont la volonté, n'est-ce pas, de vouloir bien mettre fin à cette délinquance urbaine. Mais la volonté seule suffit-elle, n'est-ce pas, pour éradiquer le mal social que nous avons, par exemple, vécu à Douala deuxième, j'en doute très fort, j'en doute fort. Parce que je pense pour ma part que c'est une œuvre titanesque, n'est-ce pas, qui interpelle toutes les couches de la population, tant au niveau, n'est-ce pas, de la cellule familiale même, qu'au niveau du voisinage. Et je veux dire partant, toute la population. Parce que, voyez-vous, quand je parle de la cellule familiale, l'éducation commence d'abord par la cellule familiale. Il faut que ce soit clair. La preuve, c'est quoi? C'est que il y a des populations, c'est-à-dire qu'au niveau, quand vous avez observé ces risques-là, il y avait des gens qui étaient pantois, il y en a qui étaient estomaqués, il y en a qui étaient surpris, qui ont refusé de, n'est-ce pas, de se mêler à ces risques, donc à ces risques-là. Donc cela suppose que, bon voilà, c'est pas tout le monde qui s'est jeté là-dedans. C'est la preuve qu'il y en a qui ont fait preuve de retenue. Et si des gens ont pu faire preuve de retenue, c'est parce qu'effectivement, ils ont reçu manifestement une éducation différente, n'est-ce pas, de celle que ceux qui... Parce que Douala deuxième, nous, on a connu, à la limite, les vols à la tire. On a connu, n'est-ce pas, des cambriolages, mais pas en mode braquage. Par exemple, c'est-à-dire que c'était des armes blanches et tout, mais on n'a pas connu ce genre, n'est-ce pas, d'échauffement où tout le monde, où
tout Douala deuxième était pratiquement paralysé. Et le préfet l'a dit, il y a eu même une extension, n'est-ce pas, du côté de Douala premier. Donc je pense que c'est une œuvre titanesque que le monde doit. Et il y a également le fait, il faut le mentionner, quand je parle, n'est-ce pas, de la responsabilité de l'État, je parle de l'État de façon globale, je précise d'abord que rien ne justifie cela, il faut que ce soit clair, rien, absolument rien, rien ne peut justifier, mais on peut expliquer. Parce que quand on regarde, quand je parle de la responsabilité de l'État, je vais prendre un exemple simple, Michael Tchikyo. Voyez-vous, la démographie est l'élément déterminant et basique de toute analyse, de toute prospective, que ce soit en matière de sécurité, en matière d'éducation, etc. Mais combien sommes-nous à Douala deuxième? Voilà la question. De cette question découlent d'autres questions. Parce que le dernier recensement qui a été effectué en novembre 2005, qui a été rendu public, c'est une camerouniaiserie, 5 ans plus tard, je veux dire en avril 2010, nous fait ressortir que Douala deuxième n'a que 261, nous a fait ressortir que Douala deuxième n'avait que 261 407 habitants. Ils ont dit qu'il y avait un taux de croissance, si on s'en tient aux chiffres brandis par l'Institut national de la statistique, on a dit qu'on a un taux d'accroissement démographique de 3,8%. Donc si l'on compte, si on essaie, n'est-ce pas, de faire une projection sur 5 ans, on est à moins de 400 000 habitants. Mais bon Dieu, écoutez, bon Dieu, quand j'arrivais comme conseiller municipal pour la première fois en 2007, les documents qu'on nous avait brandis faisaient état de ce que Douala deuxième avait 700 000 habitants. On est venu diminuer, on vient en novembre 2006, on dit que c'est 261 407 habitants. Même l'aveugle qui ne voit rien, qui entend seulement des gens donc brouillés autour, donc grouillés autour de lui, c'est que c'est pas vrai. Quand je le dis, parce que la conséquence de cela, c'est quoi? C'est déjà au niveau du nombre d'unités de maintien, de forces de maintien de l'ordre. Parce que voyez-vous, on installe ou alors on crée des unités de forces de maintien de l'ordre sur la base de la démographie. Et ça, il faut le dire, malgré la bonne volonté, n'est-ce pas, de nos forces de maintien de l'ordre, et j'ai un clin d'œil, n'est-ce pas, pour le commandant de brigade de Kouloulou, le commandant Abega, qui a fait un travail remarquable, parce que j'ai pu observer cela. Le jeudi, quand ça a déclenché, je l'ai vu à l'œuvre, je l'ai vu au four et au moulin, j'ai vu comment il a essayé d'abord de disperser des gens au niveau, n'est-ce pas, de la chefferie Bélibi. Lui-même est descendu sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'il peut faire quand il y a une insuffisance en matière? Parce qu'il faut le dire, de deux, il y a le renseignement prévisionnel, qui est important en toute chose, notamment dans un pays comme le nôtre, qui vit un contexte particulier. Est-ce que l'argent, parce que l'argent en profondeur, est-ce que l'argent qui est débloqué dans le cadre, n'est-ce pas, du renseignement, car moi je veux dire, même au niveau des forces de maintien et de l'ordre, est-ce que ça arrive vraiment à la base? Parce que le renseignement prévisionnel, c'est la base. Est-ce que, effectivement, on fait descendre ça jusque, n'est-ce pas, au niveau de ceux qui sont en charge du renseignement prévisionnel, c'est-à-dire qui vont sur le terrain? Je ne pense pas. Je le dis clairement, et sur la base de plusieurs recoupements, je suis à même de le dire ici. Et autre chose, parce qu'il faut aller en profondeur, pour que les gens sachent de quoi ça retourne. Rapidement, et on va donner la parole. Il y a également, n'est-ce pas, les mécanismes, n'est-ce pas, de transmission du pouvoir administratif dans l'arrondissement. Parce que voyez-vous, les chefs de quartier, c'est les auxiliaires d'administration. C'est-à-dire quoi? En fait, c'est eux qui représentent l'autorité, c'est-à-dire ce qu'on appelle le chef, c'est-à-dire le sous-préfet dans ces arrondissements, donc dans leur quartier. Sur la base de quoi sont-ils désignés? Ont-ils cette légitimité, c'est-à-dire au moins, tout au moins cette influence pour assurer le relais entre le sous-préfet et, n'est-ce pas, les populations? J'en doute fort. J'en veux pour preuve, il faut que les Camerounais le sachent. Il y a un chefferie, donc je veux dire, il y a un chef de quartier, je veux parler du quartier kilomètre 5, pour que les gens sachent de quoi je parle, qui a été installé, ça ne fait pas longtemps, mais qui, tenez-vous tranquille, vit au Gabon. Il vit au Gabon. Comment ça peut se justifier? Il n'est pas remplacé. Alors, si ça déclenche donc du côté de kilomètre 5, qui donc?
viendra vers les populations. Il va prendre son billet d'avion pour venir. Non, écoutez, je dis, les responsabilités sont partagées, mais surtout, la responsabilité de l'État est engagée. Et Salomon Béas a parlé de quoi? Et même Mme Coyoc. Ils ont cité Voltaire, qui dit le travail est loin de nous, trois grands mots. Le vice, l'ennui et le besoin. Les chefs de terre, je veux dire, le sous-préfet, le préfet, surtout le préfet et le gouverneur, gagnaient également à organiser des rencontres avec le secteur privé pour voir dans quelle mesure ce secteur privé là peut contribuer à la résorption du chômage, c'est-à-dire créer des emplois directs et indirects dans l'arrondissement de la deuxième. Parce que c'est de ça qu'il est question. Donc, c'est des problèmes de fond, c'est des problèmes de fond qui méritent d'être élucidés et pour chuter, pour vous faire comprendre qu'on est dans les conséquences d'un système jacobin. Parce que je ne comprends pas, et ça je le dis ici avec gravité, vous allez... je chute deux secondes, je ne comprends pas pourquoi. Moi, j'ai été informé qu'il y a eu cette rencontre au cercle municipal. J'ai été informé après coup, en tant qu'adjoint au maire. Et j'ai demandé aux conseillers municipaux si eux, ils avaient reçu l'information. Ils m'ont dit non. C'est pour vous dire que pour eux, les élus n'existent pas. Les élus ne je dis, l'information n'a pas circulé. Mais je suis désolé, mais ce n'est pas eux qui sont... les uniques relais. D'accord. Il faut faire circuler l'information. À quoi servent donc les conseillers municipaux dans une commune d'arrondissement? Et ce n'est pas la première fois. D'accord. Parce que dernièrement, quand il y a les rixes entre Makia et puis Chelle-Nouvelle, ce problème s'était posé. D'accord. Et après, comment les élus, quand ils sont venus rencontrer les gens, on a compris, monsieur le chef de quartier. On a compris. Donc la légitimité est même par ailleurs douteuse. D'accord. Donc voilà. Jacques Dobel. On a évoqué justement sur la chaîne de responsabilité, on parle justement de la cellule familiale, de l'État et bien d'autres. Pour vous, justement, le responsable, le premier responsable de cette affaire, ce serait qui? On a parlé justement du phénomène du chômage et bien d'autres. Je veux dire tout de go que nous sommes tous responsables pour beaucoup de choses. Et ils ont cité, ils ont donné des motivations de ce qui se passe là. Et moi, je vais ajouter autre chose. À une certaine époque, il n'y avait pas de télévision. Donc, les Camerounais n'avaient pas la possibilité de voir la brutalité, la violence telle qu'elle se faisait déjà dans d'autres pays. Il n'y avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui où n'importe qui peut mettre n'importe quoi et diffuser cela à travers le pays, même à travers le monde, ce qui attise davantage ces violences-là. Nous avons aujourd'hui, moi j'en suis militant, ce que nous appelons les droits de l'homme, qui sont mal interprétés par beaucoup de gens et à partir desquels n'importe qui peut faire n'importe quoi. Mes prédécesseurs ont cité la responsabilité de la cellule familiale. Oui. J'entends beaucoup de parents dire aujourd'hui, non, cet enfant m'a dépassé, oh mes enfants m'ont dépassé. Vraiment. Quand j'entends ça, je suis estomaqué. Parce que je ne comprends pas comment un enfant peut dépasser ses parents. Parce que pourquoi cela aujourd'hui? Parce que les partis politiques sont arrivés, les organisations de la société civile, les parents ne sont pas souvent à la maison. Les parents sont dans les réunions. On laisse l'éducation des enfants aux domestiques, aux répétiteurs. Les parents rentrent à 23h, parfois quand les enfants dorment. Les enfants sont même laisser à eux-mêmes à regarder Telenovelas et tous les autres. Quelle société nous sommes en train de préparer? Ça, c'est la question que je pose et que je me pose souvent. Moi, j'ai la chance de naître à une autre époque. J'ai vu mes enfants grandir dans les conditions où moi-même j'ai été élevé. Et si mes enfants ne m'ont pas dépassé, je ne comprends pas pourquoi. Parce que cette génération que nous avons aujourd'hui, que nous voyons évoluer un peu partout là, n'importe comment. Il y a des moments où je suis dans le taxi, il y a des élèves, les petites classes qui entrent, quand ils suivent la conversation de ces enfants. Nous, à notre époque, quand il y avait même un adulte, on ne parlait pas, même quand on était en train de dire. C'est ça aussi, c'est ça donc la société d'aujourd'hui. Alors, nous devons tous nous jeter à l'eau. J'interpelle les hommes politiques. J'interpelle la société civile, celle qui se présente comme telle. Il faut que nous revenions à certaines de nos valeurs.
où les adultes doivent pouvoir encadrer les enfants, les jeunes. Parce qu'à notre époque, nous n'avions pas comme seul éducateur nos géniteurs. C'était les voisins, c'était les oncles et les tantes qui nous inculquaient les valeurs qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, si nous sommes quelque chose. Mais nos petits-enfants sont en train de nous dépasser. Et pourquoi ? Voilà. Là est la question. Et vous avez évoqué les réseaux sociaux. Jacques Daubel et le gouverneur de la région du littoral également revenu sur cette surenchère autour de ces événements lors de cette réunion le dimanche. Je vais vous suggérer d'écouter une attitude de Samuel Dieudonné Iva Dibois. Et juste derrière, nous continuons le débrief. Suite à cette vague de violence, mais surtout de manipulation que cet arrondissement vit depuis jeudi dernier. Alors, les réseaux sociaux sont à l'œuvre et ont décrit la ville de Douala à feu et à sang. Je n'ai croisé aucun pneu brûlé à Niobel. Je n'ai vu aucune maison brûlée. Je n'ai vu aucun corps couché. Il y a deux morts, il y a trois morts, il y a ceci. C'était là le gouverneur de la région du littoral et il a également évoqué, professeur Koyok, cette manipulation, vous l'avez dit tout à l'heure, manipulation des jeunes, et on a envie de comprendre, de savoir si vous en savez un peu plus, manipulation venant de qui a intérêt à manipuler les jeunes pour commettre de tels actes, des actes qu'on a vécu il y a quelques jours. Bon, j'avais dit tantôt, nous savons que l'environnement sociopolitique est tendu. Il y a certainement des mains dans l'ombre qui veulent que tout s'embrase pour que les gens disent que le Cameroun n'est plus vivable. Sur quoi vous vous basez pour... Et deuxièmement, il y a un autre facteur important. Le Cameroun, c'est une Afrique en miniature. Mais Douala deuxième... Et alors, je peux dire, c'est le monde en miniature. Nous avons, à Douala deuxième, les réfugiés qui devraient rester dans des camps et qui sont exactement comme les Camerounais. Lorsque je rencontre un Tchadien, je ne sais pas qu'il est Tchadien. Lorsque je rencontre un Centrafricain, je ne sais pas qu'il est Centrafricain. Donc, nous, les Congolais. Et les Congolais, toute cette prosmiquité. Et des gens qui arrivent au Cameroun avec des armes légères. Les gens dont on ne peut pas contrôler l'identité. Et qui sont des ben-sikineurs, comme on les appelle aujourd'hui. Comment on peut savoir que ça, ce n'est pas un tueur, ça c'est un tueur? Puisque lorsque vous prenez la moto ou bien vous les trouvez, vous ne savez même pas s'ils sont des Camerounais ou ils ne le sont pas. Il y a le problème de contrôle d'identité qui est mis en mal. Et deuxièmement, vous me posez la question de savoir, je ne suspecte personne. Mais c'est quand je suis le langage, tout ce qui vient d'être dit ici, tout le monde accuse le régime. Moi, je ne sais pas en quoi le régime est responsable. Nous avons une hystérie sociale. Ça arrive partout. Les violences urbaines, ce n'est pas seulement au Cameroun. Les pays qui sont les plus développés en Afrique sont les pays qui connaissent le plus de violences. C'est leur mauvaise façon de nous développer qui génère ces déchets sociaux que sont les chômeurs, les oisifs et tout le reste. Donc, il y a une autre manière de gérer la société qui mérite... Si on parle de chômage, professeur Koyok, ça suppose qu'on a des jeunes qui sont justement en capacité d'avoir un emploi et qui n'en ont pas trouvé, si on parle de chômage. Justement. Oui, c'est ça. Il y a les jeunes qui sont au chômage. Mmh. Il y a d'autres dont les emplois sont précaires. Mmh. Et certains n'en ont même pas. Donc, je me dis, dans un pays comme le nôtre, je crois que monsieur le maire avait dit tantôt, il faut peut-être qu'on essaye de regarder si le secteur privé ne peut pas donner un appui particulièrement à Douala deuxième. Bon, et il y a aussi, pour moi, la nécessité de renforcer la police municipale. Parce que s'il y a la police municipale, elle peut renforcer le peu d'effectifs des gendarmeries. On reviendra sur les solutions tout à l'heure, des solutions qu'on peut prendre justement pour éviter ce type de choses. Mais Salomon Béa, je reviens justement sur ces propos, la question de la manipulation et bien d'autres. On parle justement des jeunes qui sont dans un état, je vais dire, fragile, mais qui se laissent aller parfois
à des discours de haine et bien d'autres qui se retrouvent à commettre des actes comme ceux qu'on a vécu l'autre jour. Là, on est monté d'un cran, on est passé sur le phénomène justement de ce chômage-là, du sous-emploi et bien d'autres qui peuvent justifier ces violences. Mais pour essayer de comprendre de quoi est-ce que parle le gouverneur quand il parle des gens qui sont manipulés, autres, et Mme Koyok, justement, tout à l'heure, évoquait le contexte sociopolitique qui semble un peu tendu dans votre pays. Comment est-ce que vous comprenez ça? Effectivement, la position du gouverneur et celle du professeur Koyok ne me surprennent pas du tout. En réalité, l'échec de la vie en société au Cameroun incombe à un mauvais système dont ils sont des profondeurs et des défendeurs au quotidien. Je suis content qu'elle ait pu mentionner qu'au Cameroun, il y a un problème d'identité qui est devenu une arme fatale pour mon pays. Je me souviens encore en arrière, puisqu'elle parle de manipulation en fait, qu'un monsieur nommé Biya, candidat à une certaine élection, avait parlé de la gratuité de la carte nationale d'identité sans la mise au point des préalables de nationalité. Alors, nous nous sommes retrouvés avec des Nigériens camerounais, des Centrafricains camerounais, des Maliens camerounais, des Burkinabés camerounais et j'en passe. Je me suis posé la question, très simplement. La nationalité camerounaise est-elle facile d'accès au point où tout le monde peut s'arroger de devenir camerounais? Cet échec-là n'est que incombé, n'est que agréfé à une seule personne et à son régime, M. Biya Paul. Effectivement, s'il y a manipulation, c'est lui le manipulateur. Parce que quand un individu ne produit que des stratégies qui ne visent qu'à conserver son pouvoir, en exposant sa population à la dérive totale, il emporte les stigmates de la responsabilité. Et je voudrais poursuivre M. Michael Kiptio. Nous voyons des choses aujourd'hui, et au Cameroun, on a l'habitude de voir les choses à la fin. Les mouvements que nous voyons aujourd'hui au Cameroun ne sont que la conséquence de la mise sur pied d'une société qui n'a plus de repères. Je voudrais rentrer en arrière pour que vous puissiez comprendre mon regard. On a appauvri de façon systématique, organisée, politiquement formée, la société camerounaise entière avait pour seul objectif de pouvoir la contrôler et la tenir captive. C'est de ça qu'il est question. Le président Ahi Diao, qui fête sa 37e année de démission aujourd'hui, avec la 37e année de M. Biya qui a toujours gagné les élections, selon ce qu'ils nous disent. Mais nous, nous connaissons qu'il n'a pas gagné. Alors, nous avions la Campship, nous avions la Camer, nous avions l'ONCPB, nous avions toutes les entreprises que mon papa, qui au fond connaît bien et dont il a savouré le temps. Et ils disent, je m'assois souvent avec des aînés, ils disent, oh, quand vous voyez la douche municipale, là, vous êtes arrivé tard dans la ville de Douala. Alors, tout cet échec-là doit être mis sur le dos d'un seul individu, M. Biya Paul et son gouvernement. S'il vous plaît, je ne vais pas faire l'économie. Je suis tout à fait d'accord. On ne fait pas le bilan des 37 ans du président de la République. On aura l'occasion de faire ce débat. Nous sommes à Douala deuxième. Monsieur Michael. Monsieur Béas, ne nous éloignons pas du sujet. Je suis bien à Douala deuxième. À Douala deuxième, parlons de ces événements à Douala deuxième. On aura l'occasion de faire toute une émission sur le bilan des 37 ans du président de la République. Allez-y. Je suis avec vous. Le Cameroun, c'est un pays sérieux. Et quand je parle du Cameroun, je parle du Cameroun avec sérieux. Et je pense que ce n'est pas un pays qu'on doit parler avec des blagues. Les gens s'amusent avec la vie des Camerounais. Les gens prennent les Camerounais pour du bétail. Je vais vous expliquer une situation. Ce qui s'est passé à Douala deuxième, j'ai failli être une victime. J'étais chez mon père, pratiquement. Et assis avec des amis en train de prendre un pot. Quand je suis surpris, nous sommes surpris par près de 300 jeunes armés des machettes, des poignards, des goudins. Ils venaient en bande, saccageant des boutiques, dépouillant des gens au passage, bousculant avec une violence atroce. Quand on parle de ça, on ne peut pas être content, M. Michael. Et comme j'aime mon pays, le Cameroun, je pense qu'en fait, quand on ne tient plus les rênes d'un bateau, le gouvernail,
on le laisse et on cède la possibilité à d'autres qui ont la capacité de guider le bateau, de guider. Parce que je pense que ce que nous vivons aujourd'hui à Douala deuxième peut se répandre partout au Cameroun en un clic. Parce que nous sommes à la fin d'un système qui a failli et qui a démontré à tous les niveaux qu'il n'est pas capable de donner quoi que ce soit. La mangue a mûri, elle est tombée, elle a pourri. Ceux qui nous gèrent aujourd'hui doivent avoir le courage de jeter l'éponge. Et en premier, M. Biapol, il doit le faire. Merci, Salomon Bias. Monsieur le maire, il a évoqué tout à l'heure justement ces soirées de jeudi, de vendredi, où on a vu des jeunes, de samedi également, où on a vu des jeunes se balader dans les rues de Douala deuxième avec des machettes, des goudins et autres. Mais vous saluez tout à l'heure la bravoure, la maestria, je veux dire, de la gendarmerie de Kouloulou, du commandant de brigade, mais qu'on a semblé vu déborder quand même, parce que nous étions hier à Douala deuxième, nous avons discuté avec des populations qui se sont senties à un moment donné délaissées, parce que les mouvements ont duré plusieurs heures. Et comment expliquer justement que dans une ville comme Douala, ces délinquants aient pu partir de Douala deuxième pour Douala premier sans être stoppés dans leur élan, et que les populations aient subi toute la violence qui a eu lieu ce jour-là. Certains sont venus à se demander si nos forces de maintien de l'ordre sont encore à la hauteur, ou alors peuvent être à la hauteur d'un tel mouvement à la ville de Douala. Je vous ai parlé de l'insuffisance des unités de maintien de l'ordre, qui est faussée à l'avance du fait de cette démographie, du fait de ce recensement général de la population qui ne reflète pas les réalités sur le terrain. Je vous ai dit, le nombre d'unités de maintien de l'ordre est fonction de la population. Peut-être le nombre d'unités à Douala deuxième, mais pour un mouvement ou un des événements mais comme ceux-là, toute ça, la ville est mobilisée effectivement et des unités font partie d'autres arrondissements pour Douala deuxième. Mais écoutez, ça c'est le premier. Oui. Ça c'est la première cause. La deuxième cause, j'ai parlé du renseignement prévisionnel. Parce que s'il veut savoir où se trouve Jean-Robert Wafou, ils n'ont pas besoin de 5 minutes pour savoir où se trouve Jean-Robert Wafou. C'est clair. Ils savent qui ils peuvent assurer. Je ne vous coupe pas. Juste un complément d'information. Lors de la même réunion, le gouverneur a justement fait savoir que le renseignement avait fait tout le travail qu'il fallait et que désormais, tous les chefs de gang, tous les responsables de ces événements étaient identifiés, juste pour vous rassurer sur la question du renseignement. J'ose croire que c'est effectivement le cas. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on vit de par Rix. Je vous ai rappelé ici à l'entame de l'émission qu'il y a d'abord eu Rix entre le quartier Makel et certaines populations. Il ne faut pas les généraliser. Hein. Tout à fait. Il ne faut pas les généraliser, il ne faut pas stigmatiser. Je suis contre toute stigmatisation quelconque. Parce que à Douala deuxième, en majorité, en très grande majorité, il y a des valeurs. Moi j'appelle ça la nubilité. Les valeurs de la nubilité sont constantes. Il faut qu'on le dise. C'est pas une guerre de tranchées, c'est pas une guerre entre deux quartiers, c'est pas une guerre inter-ethnique, c'est pas des rixes intercommunautaires ou alors je sais pas trop inter-religieux. Non, c'est pas ça. Mais il se trouve qu'il y a des gens, il y a des personnes isolées dans les quartiers qui se sont portées, n'est-ce pas, vers ces événements dramatiques que nous on a tous connus. Quand je parlais de renseignement prévisionnel, je disais, s'il veut savoir où se trouve Jean-Robert Wafou, même si je suis caché n'importe où, ils vont le savoir dans les minutes qui suivent. Bon, ce qui suppose que, bien évidemment, on met plus de moyens quand il s'agit du renseignement d'ordre politique que quand il s'agit, n'est-ce pas, d'un renseignement quelconque concernant la vie en société de façon globale. Et là, ça pose problème. De deux, moi, vous savez, j'ai dit, quand je parle de l'insuffisance de moyens, Tous les responsables des unités de force de maintien de l'ordre ne me diront pas le contraire. C'est qu'il y a très peu de moyens. Beaucoup d'argent est débloqué en haut, mais très peu arrive jusqu'à la base. Allez donc savoir où est-ce qu'on t'a mis cela. C'est de ça qu'il est question. Je vous dis et je vous redis que la volonté, ils en ont.
ces gens, c'est-à-dire que nos, c'est-à-dire les forces de maintien de l'ordre ont cette volonté. Je les ai vus à l'œuvre. Je les ai vus, je les ai dit, sur le terrain. Mais que peuvent-elles faire, ces forces de maintien de l'ordre? Et puis, tout à l'heure, on parlait de l'identité. Oui, Madame Koya, vous avez parlé du contrôle d'identité. Mais qui est en charge du contrôle de l'identité? C'est effectivement l'État. C'est justement l'État. Mais qui est le président de l'État? Qui est le chef de l'État? Et c'est justement, c'est ça le problème du système jacobin. Quand tout est centralisé et tout descend de façon verticale, ça pose un problème. Il est évident que les déconnexions du terrain puissent se faire. Donc, je dis, il a parlé, n'est-ce pas, M. Bias a fait référence à une situation qu'on a vécue à la veille d'élections présidentielles, je crois que c'est 2004, où on a distribué comme du petit pain, n'est-ce pas, la nationalité aux gens, pour des raisons électoralistes. Voilà des conséquences. Et c'est le lieu ici, pour moi, de dire ceci. Nous devons faire, nous devons faire un saut qualitatif. Parce que l'une des causes aussi, c'est l'immigration. Je suis un social-démocrate, imprégné des valeurs sociales, des valeurs d'humanisme, mais être imprégné des valeurs humanistes ne veut pas dire qu'on doit tout tolérer. Parce que voyez-vous, quand je parle de l'immigration, cette immigration, on ne demande pas qu'on chasse les gens, c'est tout à fait normal. Le Cameroun a signé des conventions internationales, par exemple, qui nous obligent à accueillir des réfugiés, mais en même temps, il faut que cette immigration soit précautionneuse. C'est extrêmement important. Parce que, voyez-vous, on ne distingue plus qui est qui. Elle a pris le secteur de Benski. Oui, aller un peu dans les stations d'essence, tard dans la nuit. Vous voyez ce qui se passe là-bas. Des gens dorment à la belle étoile. Est-ce que ce sont des Camerounais? Est-ce que ce sont des non-Camerounais? Parce que ce que je sais, c'est quoi? C'est que les Camerounais même ne peuvent pas se porter vers des violences pareilles. Du moins pour ceux, pour ce qui concerne Douala deuxième. Et qu'on parle aussi. Et donc, il y a, je disais tantôt que Voltaire parlait de. Disait le travail éloigne de nos trois grands mots. Le vice, l'envie et le besoin. L'ennui et le besoin. Le vice, l'ennui et le besoin. Quand vous travaillez, vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué. Il vous reste à faire quoi? À manger, à regarder l'éducation de vos enfants et à dormir. Quand vous ne travaillez pas, vous dormez en journée et c'est la nuit que vous êtes actif. Il faut qu'on le dise clairement. Et Jacques Daubel l'a si bien relevé. L'éducation, vous ne pouvez pas. Vous êtes un parent. Je parlais de la cellule familiale. Oui. Vous voyez votre enfant, vous n'avez pas de moyens, vous le parent. Vous voyez votre enfant qui un matin surgit, par exemple, avec un téléphone portable dernier cri. Vous ne lui dites pas, vous ne lui posez pas la question, vous l'avez pris ça où? D'où ça sort? Vous le laissez, il va, il revient. Et demain, vous serez surpris que l'enfant. Et il y a même également des parents qui rentrent à la maison, ils ne savent pas, n'est-ce pas, si l'enfant est déjà à la maison ou pas. Tout ça, c'est pour ça que je parle également de la responsabilité de la cellule familiale. Mais tout ça, mais il n'y a que tout ça se résume en une chose, c'est l'État en général. Il faut avoir le courage de dire que les moyens, il n'y en a pas. Les moyens, pourquoi il n'y en a pas? Allons donc questionner, n'est-ce pas, la politique au niveau national, notamment en matière d'emploi et d'éducation. C'est de ça qu'il est question. Tant qu'on ne questionne pas cela, on va revivre, malheureusement, les événements qui sont passés. Et l'autre chose, ça c'est pour chuter. Oui, rapidement. Il y a un facteur important. Quand je parle de Douala deuxième, vous savez, à l'époque, il y avait, pendant les vacances, ce qu'on appelait les championnats interquartiers. Il y avait des balles, il y avait des boums, il y avait des cercles. Donc, les centres de jeunesse, il y avait, par exemple, des compétitions interquartiers. C'était des hauts lieux, donc c'était des lieux où, n'est-ce pas, des gens partaient de tous les quartiers pour venir se rencontrer. Bon, voilà, aujourd'hui, comme ils disent, où est-ce qu'on peut organiser un championnat interquartier à Douala deuxième? Tous les terrains, toutes les aides de jeu ont été confisquées par des tiers. Or, il me souvient que nous, on se connaissait comment de quartier en quartier. C'était par exemple quand il y avait des matchs de football. Aujourd'hui, on peut organiser ça où? Et c'est le lieu ici pour moi d'indiquer qu'il y a eu une démission des pouvoirs publics, n'est-ce pas, en matière, n'est-ce pas, en matière de fonctionnement des municipalités. Parce que les aires de jeu, il n'y a plus de réserves foncières. Quand je parle de l'arrondissement de Douala 2,
Voilà la deuxième. Il n'y a pratiquement plus qu'une seule aire de jeu. C'est le stade Fampou David Dagobert. Montre-moi une seule autre aire de jeu. Ça n'existe pas. Quand la mairie veut, n'est-ce pas, acquérir un espace de jeu, rapidement, on vous fait comprendre que ça appartient à un X, ça appartient à un tel, donc un Y, ça appartient à telle institution, ça appartient... Bref, tout vient de Yaoundé et ça pose le problème du jacobinisme dans ce pays. On ne doit même plus décentraliser, il faut passer, n'est-ce pas, à une régionalisation. Et j'ai dit à un fédéralisme pour que les responsables locaux qui sont élus soient responsables, qu'on ne les infantilise plus. C'est de ça que c'est des problèmes de profondeur, c'est des problèmes de fond. Merci. Et merci, c'est la conséquence qu'on observe aujourd'hui, c'est ce que nous, on retrouve là. Dans les discours des autorités administratives, c'est clair qu'il y a de la volonté, mais cette volonté ne suffit pas, il faut avoir le courage. Tout à fait. On reviendra sur les prescriptions pour terminer, dans la dernière quinzaine de cette émission, les prescriptions du gouverneur. Oui, Salomon Béas, rapidement. Oui, Michael, vous me permettez quelques secondes. Rapidement, oui. J'ai été sidéré. Je suis jeune, j'ai vécu certaines choses qui m'ont sidéré. Vous vous rappelez, Michael, le MRC a organisé les marches blanches le 26 janvier. À même lieu, on ne marchait que dans la rue. C'était une manifestation publique. Mais seulement le déploiement qu'il y a eu, au point où on puisse tirer sur des manifestants. Michael, j'ai vu des enfants arriver avec des couteaux, des poignards, des machettes. Mais il n'y a pas eu cette réplique-là. Je vais vous dire, les militants du MRC ont été traités de terroristes. Mais jusqu'à présent, les hommes armés de Goudin, de machettes, de poignards, n'ont reçu aucun synonyme. Et je vais vous dire autre chose pour chuter, Michael. Rapidement, oui. C'est qu'en réalité, le maire adjoint, je vais le nommer Jean-Robert ou Monsieur Jean-Robert Wafo, a dit quelque chose de pertinent. Les policiers et les gendarmes se battent pour essayer de ramener, n'est-ce pas, la sérénité. Mais seulement ils reçoivent des consignes politiques. Parce qu'en fait, quand on dit que le professeur Fogué ou alors Maurice Kamto veut faire une manifestation, effectivement, il y a le BI, il y a la gendarmerie, il y a tout avec une telle violence. Si on dit que Jean-Michel Nietzsche veut tenir une manifestation publique, alors ça c'est autre chose. Mais ce n'est pas le même déploiement. Quand les vies des Camerounais sont en danger, quand les boutiques sont pillées, vandalisées, saccagées, tout simplement parce que le désordre qui s'installe ne profite qu'au gouvernement de Yaoundé qui évolue dans le désordre en tenant les gens comme ça dans le désordre parce que c'est le désordre qui les favorise. Ils n'ont pas du tout besoin que ce Cameroun soit équilibré parce que s'il s'équilibre, ils ne pourront pas avoir les rênes du pouvoir, puisqu'ils sont déjà limités dans cette gestion. On a compris, Salomon. Le professeur Koyo va prendre la parole, juste pour répondre alors à l'endroit de nos téléspectateurs sur ces jeunes justement qui ont été les responsables de ces violences. Le gouverneur a justement condamné ces actes de violence. Oui, mais personne n'a été tiré dessus. Puisque vous disiez que personne ne s'est indigné, je voulais Michel Ndok a été tiré dessus. Célestin Djamen avait été tiré dessus. Professeur Koyok, laissez professeur alors que c'était une manifestation pacifique. Parce que, je ne sais pas, nous sommes les Bantous. On dit que trop de conseils avaient rendu le pangolin sourd. Parce que tous les jours, vous ne faites que chanter la même chose. Je sais que c'est un fantasme. Parce que oubliez cette affaire d'élection. Nous sommes déjà à la veille d'une autre élection. Préparez-vous à gagner. Si vous gagnez, vous prendrez le pouvoir. Mais vraiment, tout le monde sait quels sont les moyens institutionnels qui arrivent au pouvoir. Mais vous n'avez pas gagné, madame. Mais à chaque plateau de télévision... Vous êtes toujours en train de le faire. Mais disons. Revenons au sujet. On revient sur ce sujet parce que je me dis que les gens n'ont même rien à dire. Tous les jours, c'est Biya qui est responsable. Mais j'aimerais. Parce que quand monsieur le maire jette toute la responsabilité sur l'État,
Mais une municipalité, c'est un démembrement de l'État. Et la municipalité aspire à être autonome. Donc, dans la mesure où nous allons vers la décentralisation. Depuis 26 ans, la loi du 18 janvier 1989, nous allons vers une décentralisation. Combien d'années? Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, nous allons vers la décentralisation. Salmon Béas, laissez-la parler, s'il vous plaît. Il y a un rôle qui doit être joué par les municipalités. Le développement local, c'est à la municipalité de détecter les niches, peut-être même de suggérer les pépinières d'emploi. Parce qu'on ne peut pas aller demander au président de la République, monsieur, laissez-moi, on ne pourrait pas demander au président de partir de Yaoundé pour aller résoudre les problèmes de la délinquance dans une commune d'arrondissement. Ah. Donc moi, j'ai dit les responsabilités sont partagées. Nous allons vers la décentralisation. Et puis le rôle d'un parti politique n'est pas seulement la conquête du pouvoir. C'est aussi la force de proposition. Mais, c'est ce que je mais vous ne proposez plateau, rien. Mais vous dites ce qui n'est vraiment pas vrai. Donc en réalité, s'il vous plaît, s'il vous plaît, en réalité, monsieur Béas, s'il vous plaît, laissez le Chakoyok terminer. Disons que oui, pour chuter. Pour nous avons les élections en vue. Non, le problème n'est pas l'élection. Là-bas. Vous volez toutes les élections. Maintenant, vous gagnez cette élection, vous aurez les mérites. Laissez-la s'exprimer, bon, s'il vous plaît. Au moins, vous avez M. le maire qui est à côté de vous. Comme lui-même, il est adjoint au maire, il est interpellé au premier plan. Maire adjoint. Maire adjoint, voilà. Donc, c'est déjà maire. Même s'il y a adjoint à côté. Donc, disons que les responsabilités sont partagées. D'accord, on a compris, professeur. Essayons de voir comment, à travers des mécanismes éducatifs, le président de la République a parlé du vivre ensemble. Et le vivre ensemble que tout le monde met à mal, simplement parce que les gens cherchent le pouvoir. Et il y a les moyens institutionnels pour arriver au pouvoir. Et moi, je vous conseille de vous préparer pour ces moyens institutionnels. D'accord. Jacques Dobel, on va terminer par vous. Malheureusement, le temps est passé très vite. On reviendra à vous. Je vous prendrai la parole, rassurez-vous, sur justement les propositions qui ont été faites. Le gouverneur de la région du littoral a parlé justement de réactiver les comités de vigilance dans l'arrondissement de Douala deuxième. Il a appelé justement à un renforcement du vivre ensemble, de l'harmonie entre les différentes communautés. Vous, ces mesures qui ont été prises hier à chaud au cours de cette réunion, vous semblent-elles efficaces pour résoudre ce problème ou alors est-ce qu'il faut aller plus loin? Mais moi, je pense qu'il faudra aller plus loin. Et là, j'en laisse la responsabilité aux sécurocrates. Mais je souligne une chose, Mike. Rapidement, parce qu'on va terminer. C'est que quand il vous arrive un événement au quartier ou dans votre propre maison, vous appelez la police va vous d'abord dire « Ah, nous n'avons pas de carburant dans la voiture. » Mais pour Maurice Campe, ils ont le carburant. C'est ça la force, les faiblesses dont parlait Jean-Robert tout à l'heure. Oui. Et puis, parfois même, on vous demande, est-ce que les gens-là sont armés? Alors, ce que mes prédécesseurs, du moins ceux des partis politiques de l'opposition, sont en train de dire là est vrai. Parce que nous voyons ici, quand une manifestation de l'opposition est annoncée, nous voyons vraiment toute l'armada que compte Douala pour descendre sur le terrain. Mais des enfants descendent dans les quartiers avec des godons et des machettes et il y a des commissariats, des brigades, des brigades dans ces quartiers-là. On ne voit pas grand-chose. Hein. Donc, il faut vraiment que les gens, que le pouvoir, parce que ceux qui gèrent le pays, c'est eux qui ont le pouvoir. Hein. Avoir le pouvoir, c'est avoir les moyens. Et ils ont suffisamment de moyens pour donner à ceux qui doivent veiller sur la sécurité des Camerounais. En un mot, Jean-Robert, proposition. Vraiment, ce sera en 30 secondes. Oui, je vais dire une chose. D'abord, comme proposition. Oui. Je l'ai dit durant toute l'émission, et ce problème de l'immigration qui se doit d'être précautionneux, régulé. Il faut tamiser, il faut un contrôle, approprié. Il faudrait également que tout étranger, c'est-à-dire qui n'est pas en règle, ou alors qui commet une exaction insoutenable, soit sévèrement puni, et si possible reconduit à la frontière. Deux, trois. Il faudrait que, je vais le dire ici avec gravité, Mme Koyok a parlé de la responsabilité des municipalités. Ça se dit, c'est révélateur de ce qu'elle est totalement déconnectée, n'est-ce pas, des réalités de ce pays. Mme Koyok, est-ce que vous savez
que dans ce pays, quand on regarde le volume de transferts, donc des crédits transférés par l'État aux collectivités territoriales décentralisées, ça n'atteint pas 3%. C'est vrai. Ça n'atteint pas 3%. Quand vous parlez de la police municipale, mais écoutez, allez vous renseigner. Qui concentre la police municipale? Qui les forme? C'est pas les mairies. Et puis, je vais dire une chose. Il faudrait que le Camerounais comprenne, que ceux qui nous dirigent comprennent. On en a la décentralisation échouée. Elle est même mort. Parce que vous l'avez déjà dit tout à l'heure, vous souhaitez qu'on aille à la régulation. Qui dit sécurité dit moyen. Oui. Quand on regarde, n'est-ce pas, le taux de prélèvement obligatoire au Cameroun, l'État central, c'est-à-dire que sur 1 million de francs CFA, que l'État central, que l'État au Cameroun, bon, avec les municipalités, les collectivités décentralisées, collecte sur l'ensemble du territoire. Yaoundé, y compris les organismes qui lui sont rattachés, tels que CNPS et tout, concentre 855 000, donc 85,5%. 14 communautés urbaines, dirigées pourtant par les délégués du gouvernement, oui. Nommés donc encore Yaoundé, concentre 26 000 francs CFA. 360 communes ne concentrent que 26 000 francs CFA. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moyens. Le temps est malheureusement terminé. C'est ça qui est question, madame. Le temps est malheureusement terminé. Merci pour ça.